Il y a un tracteur à la ferme du pré charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur tracteur Tom elle peut compter. C'est tracteur Tom, 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 Tom. C'est tracteur Tom qu'on aime tous. Oui c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. C'est un week-end tranquille à la ferme du Pré Charmant. Flore prend le temps de s'occuper de ses fleurs. Tom et Filou jouent au basket. Regarde bien, Filou. Et hop, panier. Et les brebis prennent quelques cours de gymnastique. Max, lui, à sa caravane, vient d'être livré d'une belle moto toute neuve. Chris, je te présente Greg. Sois le bienvenu chez nous, Chris. Greg, je te présente Chris. Salut la compagnie, content de vous connaître. Bon, je suis désolé, mais j'ai une ou deux choses à faire, alors je vais te laisser avec Greg qui va t'emmener à la ferme pour te présenter tout le monde, d'accord? Pas de problème, ça roule. Alors à tout à l'heure. En fait, Max n'a pas grand-chose à faire. Il veut juste rester un peu seul, au calme, pour pouvoir finir son nouveau livre, un ouvrage passionnant sur le Far West. Bob Buffalo était un cow-boy qui, le jour, traversait sur son cheval les grandes plaines et la nuit, dormait à la Belle Étoile avec pour seul compagnon sa fidèle monture. Il était beau, grand et fort. Et rapide comme l'éclair. C'est toi, Greg. Vous rentrez déjà. Tu as présenté Chris à tout le monde? Oui, à toute la clique. Alors, Chris, est-ce que tu crois que tu te plairas ici? Tu parles, c'est génial. Pendant ce temps, à la ferme... Et voilà, Minouche, j'ai fini avec les fleurs. Ah, c'est l'heure de traire Maude. Allez, viens, Maude. C'est le moment de la traite. Max, est-ce que c'est toi? Lui-même, mademoiselle. Et tu peux m'expliquer ce que tu fais déguisé en cow-boy? C'est parce que je viens de lire un livre extraordinaire, La chevauchée du canyon sauvage. L'histoire se passe dans le Far West. Ça a l'air passionnant. Ah oui, passionnant, c'est le mot. Et moi qui ai toujours rêvé d'être un cow-boy... Oui, ça devait être fantastique en ce temps-là. Attraper le bétail au lasso. Passer son temps à cheval. Manger autour d'un bon feu de camp. Oui, et dès que le travail était terminé, ils se rassemblaient tous et organisaient un rodéo. Ce que ça devait être bien, quand j'y pense. Moi, c'est ça mon rêve, aller à un rodéo. J'ai une idée, si on en faisait un chez nous. De quoi parles-tu, Tom? Un rodéo ici à la ferme, c'est ce que tu veux dire? Mais Tom, c'est impossible. Pour commencer, nous manquons de bétail. Non, Maude, tu ne comptes pas pour du beurre, mais une vache ne fait pas un troupeau et nous n'avons pas de taureau. Mais par contre, nous avons beaucoup de moutons qui adorent se donner en spectacle. Ah oui, c'est vrai. On peut faire une épreuve de lutte-mouton et une autre de saute-mouton. Mais ce qu'il nous faut surtout pour un rodéo, c'est un taureau, même s'il est mécanique, qui saute et qui se tortille pour tenter de te désarçonner. Oui, tu as raison. Excellente idée, Flore. J'ai hâte de voir ça. Je crois que j'ai ma petite idée sur celui qui pourrait faire l'affaire. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on attend alors? Tous au travail. Yeah! Regarde, Minouche, que penses-tu de ceci? Je me demande à qui Max veut faire jouer le rôle de notre taureau mécanique. C'est parfait, on s'y croirait!
Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Venez assister au plus grand spectacle de tout l'ouest du Mississippi. J'ai nommé le rodéo et ses cascades en tout genre du prêche charmant. En vedette, Max, l'as des as, le roi du lasso. Oh, ah, oh. Et Flore, la terreur de l'ouest et ses mustangs dressés. Oh, le bâton. Hé, où allez-vous? Revenez. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour le plus grand plaisir des petits et des grands, le terrible taureau mécanique. Formidable. Accroche-toi, Chris. Max a bien choisi. Dans le rôle du taureau mécanique, Chris est impressionnant. Qui va être capable de dompter ce monstre sauvage? Max, l'as des as. Yee-haw! Yee-haw! Oh, non, c'est raté. Il semble que l'as des as ait besoin qu'on le ramasse. Et c'est au tour de Flore, la terreur de l'Ouest. Et boum! Et encore un cow-boy qui mord la poussière. Décidément, personne n'a peur résister à cette masse de muscles mécaniques, mesdames et messieurs. Absolument personne. Enfin, personne sauf Minouche. C'est la seule à ne pas tomber. C'est notre championne. À présent, mesdames et messieurs, un numéro fameux du rodéo du Pré-Charmant. L'épreuve de lutte mouton. Sur la piste, le champion incontesté des Grandes Plaines, Bill Lanen. Face à Max, l'as des as. Vas-y, Max, montre-lui qui tu es. Attention à sa droite, Max. Vas-y, Max. Ne te laisse pas surprendre, Max. Bill, c'est un coriace. Attention, Bill Lanen a pris le dessus dans ce combat. Oh, j'ai peur que Max lance des as soit parti pour le gros saut. Ouf, Tom était là. Ça va, tu n'as rien cassé? Et maintenant, Chris, Philou, Greg et Tom au départ de la fameuse épreuve de saute-mouton. Attention, regardez bien. Quel saut de Chris! Un saut par-dessus quatre moutons. Trop facile, quatre moutons, regardez ça. Un saut fantastique, 5 moutons pour Philou. Greg va-t-il être capable de battre ce nouveau record? Bien sûr que je vais faire mieux, vous me prenez pour qui? Le silence s'est installé dans la foule. Et Greg s'élance. Il l'a fait. Greg a réussi un incroyable saut par-dessus 6 moutons. À moi maintenant. À la barre est très haute pour Tom qui, pour battre Greg, doit sauter par-dessus 7 moutons. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'à ce jour, personne n'a réussi une telle performance. Attendez, je reviens. Mais que se passe-t-il? Tom aurait-il une idée derrière la tête? On dirait que Tom a préféré changer d'équipement pour son saut. Cela va-t-il lui suffire pour supplanter le bond extraordinaire de Greg?
Il est parti! Incroyable! Tom bat tous les records du saut de mouton en réussissant un saut de 7 moutons! Bravo, Tom, tu es formidable! Qu'est-ce que nous ferions sans toi? C'est exactement ce que je me dis.